Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube MathEDI. Aujourd'hui, je reprends le cours sur la géométrie dans l'espace pour les élèves en classe de 3e. Nous allons voir la section dans une pyramide par un plan parallèle à sa base. Je vais commencer par vous montrer en simulation ce qu'est la section d'une pyramide par un plan parallèle à sa base. Je considère donc une pyramide à base carrée que vous voyez comme ça à l'écran et je vais m'intéresser à donc à faire une section par un plan parallèle à sa base, c'est-à-dire au niveau de ses traits. Très bien. Je considère ici un plan. Ce plan est bien parallèle à sa base. Et je vais couper la pyramide en deux. Pour mieux voir, je vais décaler le haut de la pyramide. Et donc ici, on a le bas de la pyramide. Quelques remarques. La première remarque, le haut de la pyramide est aussi une pyramide, mais une pyramide de petite taille par rapport à la grande pyramide qu'on avait au départ. Deuxième remarque, ce qui reste de la grande pyramide après avoir coupé par un plan parallèle à sa base s'appelle le tronc de pyramide. Troisième remarque, donc je vais monter cette pyramide en haut et je vais m'intéresser à la base de cette pyramide. On voit que la base est bien un carré. On avait une base carrée dans la grande pyramide et dans la petite pyramide, on a aussi une base carrée. Donc la troisième remarque, c'est que quand on fait une section par un plan parallèle à sa base d'une pyramide, on obtient une petite pyramide dont la base est de la même nature que la base de la grande pyramide. Ça revient à dire aussi que la section, c'est-à-dire ce plan-là, est de la même nature que la base de la pyramide de départ. Dernière remarque, ici je considère un triangle dans la grande pyramide. Cette partie est une arête dans la grande pyramide. Celle-ci est une hauteur dans la grande pyramide. Cette hauteur, dans le cadre de ma pyramide à base carrée, passe par le centre de la base. Elle passe aussi par le centre de la section. Cette droite est parallèle à celle-là parce qu'elle se trouve dans deux plans qui sont parallèles. Vous remarquez bien, ici, on a un triangle dans lequel on peut appliquer le théorème de Thalès. Parce qu'on a d'une part trois points qui sont alignés ici, trois points qui sont alignés ici et deux droites qui sont parallèles. Donc, on peut bien appliquer le théorème de Thalès pour retrouver des distances. Enfin, avant de vous montrer tout ça en écriture, une question qu'on se pose tout naturellement, c'est comment passe-t-on de la grande pyramide qu'on avait au départ à la petite pyramide en termes de distance, en termes d'air ou en termes de volume. On va voir tout ça dans la suite. La première propriété qu'on va voir, c'est que la section d'une pyramide par un plan parallèle à sa base est un polygone de même nature. C'est-à-dire que si j'ai une pyramide dont la base est un carré, je fais une section, la section est aussi un carré. Si j'ai une pyramide dont la base est un triangle, je fais une section par un plan parallèle à sa base, j'obtiens aussi un triangle. Si la base de ma pyramide est un triangle équilatéral, je fais une section par un plan parallèle à sa base, j'obtiens aussi une section qui est un triangle équilatéral. Donc ça, c'est la première propriété qu'il faut absolument connaître. La deuxième propriété, si la pyramide est régulière, le centre de la section appartient à la hauteur de la pyramide. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure dans mon exemple. J'ai considéré une pyramide dont la base est un carré. Je fais une section et je vous ai bien montré que la hauteur de ma grande pyramide passe par le centre de la section. Troisième propriété. Si j'ai une pyramide P d'air total A de volume V, donc j'ai une pyramide P qui a pour air total A et qui a pour volume V. En multipliant les longueurs de la pyramide P par un nombre K strictement positif, on obtient une pyramide P' d'air A' de volume et de volume V', tel que l'air de la nouvelle pyramide est égal à K au carré fois A. Le volume de la nouvelle pyramide est égal à K au cube fois V.
Je m'explique. On a une pyramide P. On multiplie toutes les longueurs par un coefficient K, strictement positif, c'est important. On obtient donc une nouvelle pyramide. Ça peut être une pyramide réduite, comme ça peut être une pyramide agrandie. Tout dépend de notre coefficient K. On obtient une nouvelle pyramide. Et ce qui est intéressant ici, c'est comment on calcule l'aire de la nouvelle pyramide, le volume de la nouvelle pyramide par rapport à l'aire de l'ancienne pyramide et au volume de l'ancienne pyramide. Donc, on a ces deux formules qu'il faut absolument connaître. Les longueurs sont multipliées par k, l'aire est multipliée par k au carré et le volume est multiplié par k au cube. Ceci étant clair, on va donc passer à quelques remarques. Si le coefficient k est un nombre qui est compris entre 0 et 1, c'est-à-dire qui n'est pas égal à 0 mais qui est plus petit que 1, alors on dit que la pyramide P obtenue est une réduction de la pyramide P. On a une pyramide P, on multiplie par un coefficient K qui est compris entre 0 et 1, qui n'est pas égal à 0 et qui est plus petit que 1, par exemple 0,5, 0,6, 0,7, on obtient une pyramide plus petite. On dit qu'on a fait une réduction de la pyramide qu'on avait au départ. Si le coefficient k est plus grand que 1, alors on dit que la pyramide P' obtenue est un agrandissement de la pyramide P. Schématiquement, ça signifie quoi? J'ai une pyramide P. Je veux obtenir une pyramide P'. Et là, vous voyez bien qu'on est dans le cas d'une réduction de pyramide. Je passe de cette pyramide à celle-là. Il faut que je multiplie toutes les longueurs correspondantes par un coefficient k qui est plus petit que 1 et qui est strictement plus grand que 0. Si par contre je veux passer de cette pyramide petite à la grande, je multiplie par un coefficient k par le même coefficient. Ici, le coefficient doit être plus grand que 1 pour agrandir les longueurs. On termine par un petit exercice qu'on va faire ensemble. Ici, je considère une pyramide à base carrée. ABCD est un carré. SH est la hauteur de la pyramide SABCD. Donc, SH est la hauteur de la pyramide SABCD. Les carrés A', B', C'. Donc, ici, l'exercice me dit que A', B', C', D' est un carré. Et ce carré-là et le carré ABCD sont dans deux plans qui sont parallèles. Ça veut dire qu'on a fait une section de la pyramide par un plan parallèle à sa base. H' appartient à SH. H' est le centre du carré A', B', C', D'. On donne ici les longueurs. AB égale 3 cm. HH' égale 9 cm. HH' c'est cette distance-là. Et SH égale 27 cm. SH c'est cette distance-là. On nous a donné cette distance et la grande. Donc on peut bien en déduire la hauteur de la petite pyramide. Donc, on va voir les questions. Première question. Calculer le volume V de la pyramide SABCD. Deuxième question, quel est le coefficient K de réduction qui permet de passer de la pyramide SABCD à la pyramide SAB', C'd'? Et en troisième question, on demande d'en déduire le volume V' de la pyramide SA', B', C'd'. On va d'abord calculer le volume. Premièrement, le volume de SABCD. Très bien. La formule nous dit que le volume est égal à 1 tiers fois l'aire de base multiplié par la hauteur. Okay? Maintenant, je vais regarder ma pyramide SABCD. Comment on calcule l'aire de base et quelle est sa hauteur? Je regarde la pyramide. L'aire de base, on nous a dit que c'était un carré. Donc ici, la base est un carré. Je vais donc prendre ce côté-là que je multiplie par lui-même pour obtenir l'aire de la base. Je vais ensuite prendre la hauteur SH qui est égale à 27 cm. OK? Donc, ça nous donne un tiers multiplié par 3 fois 3 multiplié par 27. Ce qui nous donne 3 fois 27, ce qui nous donne 81. Donc, le volume V est égal à 81 cm³. J'encadre le résultat. Très bien. La deuxième question. Dans la deuxième question, on nous demande quel est le coefficient de réduction qui permet de passer de la pyramide SABCD, c'est-à-dire de la grande pyramide,
à la pyramide S A', B', C', D', à la petite pyramide. Je reprends ici ma pyramide. J'ai la grande pyramide qui est là et j'ai la petite pyramide qui est là. Comment passe-t-on de la grande pyramide à la petite pyramide, sachant que ce plan est parallèle à la base? Je vous avais dit, pour obtenir le coefficient de la réduction, on prend une longueur de la petite pyramide qu'on divise par une longueur de la grande pyramide dans le cadre d'un coefficient de réduction. Si c'est un coefficient d'agrandissement, on prend une longueur de la grande pyramide qu'on divise par une longueur de la petite pyramide. Ici, comme on cherche un coefficient de réduction, on va prendre une longueur de la petite pyramide qu'on va diviser par une longueur de la grande pyramide. Attention, on ne prend pas n'importe quelle longueur. Je m'explique. Je ne vais pas prendre cette longueur de la petite pyramide que je vais diviser par cette longueur de la grande pyramide. Non. Il faut prendre des longueurs qui sont correspondantes. Par exemple, dans la petite pyramide, je vais prendre cette longueur que je vais diviser par cette longueur dans la grande pyramide. Ou je prends cette longueur dans la petite pyramide que je divise par cette longueur dans la grande pyramide. Ou je prends cette longueur dans la petite pyramide que je divise par cette longueur dans la grande pyramide. Ou je prends cette longueur dans la petite pyramide que je divise par cette longueur dans la grande pyramide. Je prends ce qui m'arrange, mais je prends des longueurs qui sont correspondantes. Ici, comme on a SH, c'est-à-dire cette longueur dans la grande pyramide, et on a HH', c'est-à-dire cette distance-là, dans le tronc de la pyramide, on peut bien calculer cette longueur dans la petite pyramide et donc faire notre division. Donc, on va d'abord calculer SH'. SH' est égal à SH, la distance, la hauteur dans la grande pyramide, moins HH'. Donc, c'est égal à 27 moins 9, qui est égal à 18. Donc, SH' est égal à 18. J'encadre le résultat. Maintenant que j'ai SH', je vais calculer le coefficient de réduction. Le coefficient de réduction K, n'oubliez pas, ici, c'est la petite distance divisée par la grande. N'oubliez pas que coefficient de réduction, c'est toujours petite distance divisée par la grande, mais les deux distances qui sont correspondantes. SH' divisé par SH. Donc, c'est égal à 18 divisé par 27. Une petite simplification, c'est égal à, si je divise par 9, ça me donne 2, et là, 2 tiers. Donc, 2 tiers, c'est bien le coefficient de réduction. Ici, on remarque que 2 tiers est plus petit que 1, est strictement positif. Donc, on a bien notre coefficient de réduction qui est égal à 2 tiers. Parfait, j'encadre le résultat. La troisième question. Dans la troisième question, on demande d'en déduire le volume V' de la pyramide SA', B', D'. N'oubliez pas qu'on a vu en formule que le volume de la nouvelle pyramide se calcule en prenant le coefficient multiplié par le volume de l'ancienne pyramide. Ici, comme on est dans le cadre d'une réduction, notre coefficient est plus petit que 1, mais ça ne change rien du tout. Donc, je vais calculer le volume, je l'appelle V'. Dans la troisième question, V' est égal à 1 tiers, donc 2 tiers, le coefficient de réduction au cube multiplié par le volume V de l'ancienne pyramide. Je vais récupérer les valeurs. Donc, 2 tiers au cube, ça me fait 2 au cube, c'est 8. 3 au cube, c'est 27, multiplié par le volume V de l'ancienne pyramide. On a calculé 81. Donc, je multiplie par 81. Et là, ça me donne combien? Donc, 81 divisé par 27, ça me donne 3. Donc, ça me donne ici 8 fois 3. Et là, 3 fois 8, ça me fait 24. Donc, le volume V' de la petite pyramide, c'est 24 cm3. Et là, j'encadre le résultat. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous demande donc de bien réviser vos théorèmes de Thalès, théorèmes de Pythagore et toutes les propriétés qui sont remarquables dans un triangle. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci. Dans maths, il dit les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.